Bonjour les Minecraftiens, ici c'est le B35, le Nésorien dans le désert, et c'est très à la cohérence aussi. On se retrouve sur le défi Minecraft après le magnifique hors-série avec le défi. What the fuck? Il y a quand même des petites incohérences là-dedans. Il y a des petites incohérences dans ça, toujours est-il que normalement là, avec leur série, ça a provoqué du bordel, mais le défi vengeance, ça a provoqué un peu de bordel avec mes vacances. Toujours est-il que là, on n'en est pas au défi 17, mais bien au défi 18. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma playlist, il y a un petit problème là. Je réglerai ça. Aujourd'hui, un nouveau défi sur le totem, un bloc plus éloigné donc. Aujourd'hui, je vais faire à nouveau un combat à la main, comme vous en avez l'habitude dans le défi Minecraft, un défi plus court aujourd'hui, pour une raison bien simple, c'est que je vais tourner avec la team, les partenaires, les démons et quelques autres amis un Kill the Minecraft 4, Kill the Patrick, mais version Minecraft 4 en gros. À l'occasion des quasiment 50 abonnés qu'on a, je vais tourner ça cet après-midi avec tout le monde. On a eu du mal à réunir tout le monde et encore Démon 3X sera pas là. Et Daemon, on est pas sûr qu'il sera là non plus. Bref, le défi d'aujourd'hui est un défi qui m'a été proposé par que je regarde. Je regarde ça vite fait. Je suis sur ma chaîne. Vengeance partie 2. Alors, un défi de William Merle, un fidèle abonné que je n'ai toujours pas identifié, c'est battre un pigman sans stuff. Un défi court mais efficace, comme on les aime. C'est la seule idée qui m'a été proposée, mais c'est une idée qui me convient parfaitement dans le cadre où je suis actuellement. Pas trop de temps pour filmer. Aucune ellipse. Difficulty hard. Je fais spawner le pigman. J'ai 3 vies. D'ailleurs, what the fuck, ça. Attendez, hey, t'éloigne pas toi, je veux te combattre. Il est beaucoup plus puissant que moi. Faut lui tourner autour, faut lui tourner autour. Ouh là là, mais il a une épée en or quoi. Une épée en or. Attendez d'ailleurs. Non, c'est normal. Faut faire gaffe, 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 faut faire gaffe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les pigmen font un son. Ah oui, mince, la bouffe, ça va pas être possible ça, attendez. La bouffe. C'est un peu mal organisé, mais je vous ai dit, j'ai pas le temps. Donc c'est l'effet que. Comme ça. Voilà, ma bouffe ne peut plus descendre. Je l'aurai ce pigman! Par contre là c'est violent. C'est très violent ce qu'il me met. Je tape, je lui enlève un demi-cœur, il me tape, il m'enlève de. Oh putain. Des déchets. J'aime pas les déchets. Je déteste les déchets. Les déchets, c'est pas fun. Il me tape, je suis mort. Faut vraiment que je sois full life pour me frotter à lui. Froussard! Viens par là! Il me voit vraiment pas de loin. On patiente un peu, j'espère qu'il remonte pas sa vie, le petit coco, en attendant. Il est passé où? Putain, Minecraft! Il peut pas dépop comme ça sous mes yeux alors que je suis juste à côté! C'est quoi ce bordel? Oh putain, fait chier, fait chier. Bon bah, on en refait popper un autre de toute façon. Au point où on en est, ça ne change pas grand chose. Celui-là, j'attaque de front plus rapidement. Et oui, here we go! Celui-là, je l'aurais plus simplement. L'autre, c'était pour le spectacle. Celui-là, il va crever sans pouvoir me taper, vous allez voir. L'autre qui a despawn, ça m'a un peu mis en rogne. Et voilà, sans blague. Donc, je pensais pas à cette. Lui, il veut F6. Je pensais pas à cette technique avant.
J'ai pas pensé, je pensais qu'il fallait tourner autour et lui donner des coups pour pas qu'il nous tape. Nous, ça tapait plus souvent d'ailleurs. Bon, bah là, je me la suis jouée un peu à la campeur, on va avouer. N'empêche que j'ai gagné ce défi Minecraft et que de toute façon, je n'avais pas plus de 15 minutes pour le tourner. Donc là, c'est déjà parfait. Un défi plutôt facile quand on a la technique, mine de rien. Bon, sur ce, je vais analyser. Je suis un noob. C'est sûr que j'ai plus l'habitude. Donc, je vérifie ce qu'il y a comme problème avec ces numéros des défis. Et on se dit à tout à l'heure. Ou plutôt à jamais, parce que je vais pas reprendre le record pour un truc inutile. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir, c'était CLB, désolé. Je ferai gaffe au montage. Tiens, je vais moi-même vous expliquer le problème qu'il y a eu. Donc alors c'est tout bête, l'un des défis ne figure pas sur le totem. C'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est un truc tout bête, mais tout efficace. Alors, défi 7, défi 9, défi 10, défi 12, défi 13... Et ça, ce n'est pas censé être le défi 14, c'est le défi 15. Voilà, il y en a un qui ne figure tout simplement pas. Bon, les Darko qui connaît pas, hein, c'est une vieille version de MC Edit que j'ai. Contrôle X, contrôle V, je colle ça ici. Je remets le totem en place. Voilà une bonne chose de faite.